Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 30 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas, plongez-vous dans le noir. Profitez de cette qualité incroyable qui vous est proposée en partenariat avec les couches Baby Drive et... installez-vous confortablement parce qu'on va, mine de rien, se retrouver tout de même une bonne demi-heure ensemble. Et c'est l'épisode 30, on adore le chiffre 30, ça fait toujours plaisir évidemment. Donc profitons les amis, profitons tous ensemble avec Emmanuel, check ça. Et on va aller fouiller parce qu'on avait sorti une sacrée dose d'action, si je puis me permettre cette petite expression des familles. On avait trouvé aussi pas mal de trucs très très cool. Donc là, voilà, on kiffe, d'accord, il sera peut-être temps, hop. Le but étant de descendre, vous l'aurez compris, de ce bâtiment de la Muerte. Et est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Que dalle, donc on va descendre par ici, je sais qu'on peut descendre là-haut, mais bon, on va tout fouiller de long en large et en travers, ne vous en faites pas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de semaine, que vous passez une bonne journée, peu importe quand vous le regardez, même si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, dites-moi un petit peu si votre journée s'est bien passée, ça peut être intéressant en revenant par ici. Oh, oh. Là, vous croyez que je peux tenter une cascade? Ça me fait peur. C'est tentable, mais ça me fait peur. Ok, on va tout fouiller ici. Et dites-moi un petit peu comment va votre vie. Et revenez dans 2 ans sur cette vidéo, voilà, pour voir si vous allez toujours aussi bien. Oh, c'est bon, ça saute, c'est des bons soins, ça. C'est des très bons soins. Bon, j'avais dit qu'il fallait profiter de la prochaine map. J'en ai pas profité. On est rentré direct dans le cœur de l'action. C'était assez terrible. Oh. Faut juste que je descende dans la rue. La vie, ça marche pas comme ça. En vrai, on se rapproche de ouf. La vie, ça marche pas comme ça, ma petite Abby. Elle est baraque, elle. Hein. Elle est baraque de ouf, hein. Elle a bien mangé, hein. Hop, tiens. Voilà. Hop, Mac Tyson, mon pote. Voilà. Ça, c'est dans tes chicots. Calmez-vous. Eh, les gars, je suis quand même... Eh, les gars. C'est la prêtresse. Aïe. Oh, non. J'ai pris un coup de manche. Salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Peut-être que je tombe mal? Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf? Une mission en vue? Si on veut. Ah, il s'est posé dans l'aquarium, le bro. Tu sais quoi? Et si on évitait de parler d'Isaac pendant quelques instants? Owen... C'est quand la dernière fois que t'es venu? Regarde-moi ça, et admire un peu. Qu'est-ce que t'as fait? Pas grand-chose. J'ai arraché quelques lianes, j'ai repeint 2-3 murs. C'est stylé de ouf ce qu'il a fait, vraiment. C'est stylé de ouf. Tifeu, il est méga bien le bro, hein. Va savoir comment il recharge les piles, mais il est méga bien. Hein. Trop stylé, hein. Trop stylé, hein. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là? De l'urine. Ça a l'air... compliqué. Touche pas à ça. Abigail. Tu fais des expériences? Pas loin. Je fais de l'agneau de luxe. Si t'es gentil, je t'entendrai. Quelle chance. Okay. C'est moi ou tu t'entraînes en secret au tir à l'arc? Ah? C'est peut-être toi. Vous croyez qu'on va avoir un arc? Ce serait énorme. Ça serait énorme. Ok. Vraiment stylé ce qu'il a fait. Vraiment stylé. Il s'est trop bien posé, le bro. Allez, c'est ici? En balade avec Mel.
Ouais, j'ai essayé des trucs. Tout va bien pour vous? La vie de couple et tout? Ouais, c'est pas mal, enfin. Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah, sous tes airs de dur à cuire, un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. Ok. On dirait qu'il est pas méga content d'être avec la meuf quand même. Hein. C'est pas ça qui est ça. Hein. On dirait que c'est pas... C'est sûr, en tout cas, c'est sûr que c'est pas par choix. Bon, on a regardé tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le côté gauche. Oh, c'est bon ça par contre. Très très beau dessin. Tu peins par-dessus la fresque de Max? Non, je la peaufine. T'as fait beaucoup de progrès depuis tes graffitis de Luciole. Eh, hey, tu sais qu'une Luciole est arrivée le mois dernier? Une ex-Luciole. Elle aussi, elle a entendu parler d'un rassemblement à Santa Barbara. Et elle a des preuves pour confirmer cette rumeur? Non. Étonnant. Ok. Santa Barbara, il y aurait donc une sorte de rassemblement. On va essayer de tout regarder quand même. Ce serait dommage de passer à côté des petites interactions qui nous permettent de comprendre un peu où ça a été tout cela. Oh, l'arc ultra stylé. Ça explique la cible. Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je fais quoi? Ok. Tu vois les cibles? Ouais. Ok, il y a un bail. Touche-en un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. 10 contre 1, il y a un trophée, les gars, à la fin. Allez, ça y est. Edine. Ouais, je suis fier de toi. Ah. Et de deux. Et il t'en reste plein. Putain de merde. 5. T'as fait la moitié, Abby. Imagine si Isaac voyait ça. Encore deux et tu me bats. Mais cool, hein. Attendez, Je suis vraiment super fier. Je vois pas où est le dernier. C'est ta faute, c'est un instrument. T'es une montre. T'es vraiment un connard. Où est le dernier, là? Les gars? Que 10 secondes. Je vois pas. 4, 3, 2, allez. 1. C'est fait. J'ai réussi. Du premier coup. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial. Elle est super forte. Arrête et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Non. Elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok. Calme-toi. Bon, il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, Sero. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non, mais j'avoue que ça serait marrant. C'est encore mieux que ça. Viens. Mais ça va, il s'amuse bien. Et imaginez un aquarium pour vous tous seuls. Incroyable en vrai. J'en fais un véritable bunker. Même à deux dedans. Des armes qui tirent dès que tu passes un fil et tout, ce serait insane. Après toi. C'est quoi tout ça? C'est festif. Et t'as pas encore tout vu. Assieds-toi. Admire un peu cette vue.
Et maintenant, goûte-moi ça. Alors ? La vue est chouette. Oh, t'exagères. Un rabat-joie. Tu veux que je mente ? Ouais, je préférerais. Elle est à fond sur les trucs de Noël et... Ça fait un an, elle et moi. Alors... Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Eh ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu le mérites pas. Quoi, la chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Qui, moi? Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se lève... J'ai trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ces types ont eu de ces nouvelles récemment? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord? Tu l'as dit aux autres? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Il sait ce que Joël a fait. Hé. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Bien sûr. Ah!
Yara! Où se trouve l'autre infidèle? Brisez-lui les ailes. Faites gaffe. Bon! Eh ben, de ce que j'ai cru comprendre, c'est totalement la rue. Hop, on esquive. Voilà. Allez, suivant. Hop, voilà. Désolé, je me concentre pour vraiment taper au bon moment. Suivant. Qui veut se battre ici? Qui veut se taper? Hop, hop, voilà, suivant. Wouh, je t'avais pas vu toi. Petite coquille. Voilà, ça c'est bon. Encore un autre et un dernier. Jamais 203, c'est comme le like. Oh, allez, on doit partir d'ici. Bon. Vous allez où comme ça? Grave stylé l'ambiance. Hein. La scène, les lumières et tout, tout est grave stylé vraiment. D'accord, c'est par ici. Ultra stylé. Donc. Bien petit tête. Merde. Merde. Wouh. Aïe. Skip. Je suis totalement. Je prends des calottes de ma race. Ok. On va se calmer, s'il vous plaît. Hein? Bah ouais, mais c'est à cause du gamin là, putain, j'ai voulu lui mettre une calotte aussi là, j'ai cru que c'était l'infecté qui courait à gauche. Allez, on cavale. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Hop. Je tente des choses. Allez. Ma soeur, mon frère, on y va là. Voilà. Voilà, ça c'est des patates directes. Oh, c'est pas vrai, c'est moi qui prends. Aïe. Voilà. Merci mon frérot. Voilà. Je commence à faire beaucoup là. Voilà, des patates comme ça mon pote. Levé de coude. C'est la rue ici hein. Il faut partir avant que d'autres n'arrivent. D'ailleurs ça sera le titre de mon émission. C'est rien, c'est la rue. T'es sûr que c'est par là? Ça sera très bien comme ça. Putain, j'ai plus d'armes, j'ai plus rien, je sais pas où les amis.
Escape! Et un par un, avec ton bras mystique. Hey, c'est pas là! Ils sont morts depuis peu. Et un autre chemin? Si c'était le cas, on passerait pas par ici. Bien joué, petit. Mais tu vas mieux parler, hein. Je vais te décaloter la gueule, hein. Okay. Allez, occupe-toi. Pousse-toi. Allez, c'est parti. Bon, la petite scène 4 mois plus tôt. Mais pourquoi il voulait le frère de Joël? Ah, pour savoir où était Joël. C'est pour ça qu'il voulait... Ils ont péré Tony, ils ont essayé. Ah, c'est pas vrai. Allez, on est parti. La même, elle, hein. Allez, c'est la rue. Vous êtes prêts? 1v1 situation. Tu sais que c'est pas beau de piquer le sac d'une dame. Ah, ok. Hop, des petites patates comme ça. Voilà. Ça t'arrose, hein. Ok. Voilà. Aïe! GG. Hop, des patates comme ça. Hop! Oh, le double coup! Voilà, je pète tout, moi. Tiens, c'est quoi ça? Aïe! Madame! Arrêtez, je rigolais! C'était une blague! Viens pas ici! Voilà! On arrache le reste, hein. Oh, c'est pas vrai, putain! On a bien joué, ça. Allez! Bon, c'est la rue ici, hein. Regarde, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Regardez bien. Regardez bien. Ah, voilà, ferme ta gueule. Ici, on n'attend pas, mon pote. C'est bon. Ça va, vous? Oui. Et ben voilà, on a retrouvé toutes ces armes. Je vous l'ai dit qu'il y avait bien quelqu'un qui allait l'avoir sur le chemin. Bon! Ben ça, c'est plutôt pas trop mal. On s'en est même plutôt bien sorti. Ouais, même pas besoin de se soigner en vrai. On a pris les coups qu'on méritait, hein, je vais être franc avec vous. Ça c'est rechargé. Ça c'est. Ah non, c'est du lissu. Tout est rechargé. On est très bien là. On est très bien. Est-ce que. Allez, un petit pompe. On sait jamais, vu qu'on a augmenté les dégâts. Ça serait dommage de pas assez l'utiliser. Allez, c'est parti. Hop, monsieur, excusez-moi. Let's go! Ah, ça va. Je maîtrise la situation. Ok. Hop, elle a perdu son bras. Prenez tout ce qui peut servir. Bon, touche pas à ça. C'est de l'ancien monde. Sérieux? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? C'est okay. La première fois que je vois des Scars s'affronter. Des Séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, me dis rien. Franchement, ça m'est égal. Alors, on va faire un petit tour là-haut. Là, je pense qu'on a tout eu. Là, par contre, on n'a pas tout eu. Oh, 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 oh. Ok, c'est juste une bouteille. On fouille vraiment tout parce que là, ils ont régalé, hein, vraiment. Je pense que niveau établi, ils ont limite de quoi donner. Faire pourquoi pas une autre amélioration. À 39, non, 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 non. Dégâts c'est fait, stabilité. Bon, après la stabilité, on s'en fout un peu. Ça suffira pas, malheureusement. On a trouvé que 29. On se casse. Ah, attendez, 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 attendez. Ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Élan. Après avoir tué un ennemi d'une attaque éclair, votre prochaine attaque au corps à corps sera également une attaque éclair. Ok, mais avant, je veux le mode écoute. Ici, vous savez bien qu'on est dans la discrétion. Non, pas du tout. Allez, on y va. On y va, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dis-moi tout. Ici, je veux de la régalade, s'il vous plaît. Hop, strictement rien. Strictement rien. Pop, pop, pop. Pas besoin.
Non, en vrai, j'ai pas besoin de grand-chose. Pas besoin de grand-chose. On a nos petites bombes, on a tout ce qu'il faut, ça va péter. Ça va péter, c'est stylé. Ok. Ah! Ah ouais, non, c'est trop là. C'est trop. Intéressant. En fait, on trouve énormément de manuels, mais... Confection de cartouches incendiaires. Oh, shit. Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression qu'on est passé à côté d'aucun manuel, c'est plutôt cool. Mais par contre... Oh, peut-être ici des cachets, non? Ouais. 7, c'est mieux que rien. Il nous en faut combien? Parce que je vous avoue qu'il me faut la santé. Augmente votre santé maximum. Il me la faut, 25%, c'est plutôt pas trop mal. Donc dans 26 cachetons, on est bon. Voilà, ça on casse, ça on prend. Ça on prend, ça évite d'utiliser un soin. Voilà pourquoi j'ai préféré attendre. Oh là! Remets ça derrière. Alors, Eddie, j'espère que tu vas bien. La trêve est terminée et on nous a demandé de rentrer pour recevoir nos nouvelles affectations. J'ai envoyé deux groupes te chercher mais sans succès. Si tu trouves ce mot, viens nous retrouver. Mort Oscar, Matt. Et ben voilà, il n'y en a pas un qui peut se blairer. Ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on a là? Des cachets, encore. En plus, c'était une grosse boîte. Oh non, oh non, c'est reparti. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'est pas reparti dans le bug. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Mais ça, attendez, c'est une boutique de... Ben ouais, on est dans un garage, bordel. Et dans un garage, il y a quoi? Ben, il y a des boulons, un max de boulons. Hop, regardez, voilà. On prend, on se sert, on se régale. Tout doit disparaître. On va faire tous les rayons. On a le temps. Allez, on fait tout, on fait tout, on fait tout. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, rien. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, je prends. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Bon. Alors. Ça serait bien que je trouve l'autre étui. Ça serait méga cool pour le coup. Et là, on n'a plus rien. Ok, tout ça s'est fouillé. Ce rayon, je crois qu'il a été fait. Très bien. On va faire ceci au cas où. Et ici, on n'a plus rien. J'hésite à retourner en arrière, mais je pense qu'il n'y a rien de faisable là encore. On attendra le prochain tranquillement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, regardez-moi ça. Hop, une vis. Eh, c'est bon à prendre. On ne crache pas dans la soupe. Ça, on prend aussi. On a été régalé là en termes de cinématique et tout. C'était un véritable bonheur. On en sait beaucoup plus sur le fonctionnement des séraphites, des Scars. Et Petit Quenty, je pense qu'avec ce petit duo découvert, on va en savoir encore un petit peu plus. Donc en vrai, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. On arrive bientôt sur la côte. Encore un peu. J'en ai eu un, t'étais mort. Restez derrière moi. Ok. Alors attendez. C'est ultra stylé comment c'est fait, putain. L'ambiance, elle est trop stylée, vraiment. Waouh, 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 pousse pas, jeune homme. Je sais que t'es pressé de liker cette vidéo comme tous ceux qui la regardent, n'est-ce pas? Mais ne pousse pas. Même s'ils ont perdu ses bonnes habitudes, malheureusement. Vous savez très bien de qui je parle. Je parle de vous. Voilà, ça c'est fait, ça c'est régalé. Ça c'est fait, ça c'est régalé. Attends, poussez-vous, jeune homme. Bah alors, madame? Et ben voilà. Venez tous un par un.
On est bon? Vous êtes prêts, messieurs dames? Allez, on est parti. Ok, ça en prend. Le front, c'est la régalade. Mais la régalade, c'est maintenant. Je suis quasiment sûre que c'est par là. Quasiment sûre? T'es pas obligé de nous suivre. Tu veux que je vous abandonne tous les deux ici? Et si... Sortons d'ici, c'est tout. Eh, pas le moment de s'embrouiller, pas le moment. Abby, souviens-toi que la dernière fois qu'une personne t'a aidé, tu l'as arraché. Hein? Attention à toi. Abby, je te déteste toujours autant. Oui? Oui, j'avoue, t'as une histoire, t'as un background. Mais je te déteste toujours autant quand même. Et ça changera pas, c'est pas prêt de changer. D'accord, moi j'ai pas une veste, hein? J'ai pas une veste double face, moi. Ça, c'est de la régalade, ça. C'est de la régalade, hein. Allez, bonjour messieurs dames. Par ici à sortie. Oh, camion pas très bien garé. Ok. Et ben c'est parti. Allez, on se passe. Je vous fais passer et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. Sinon, sois pas conne, on fait passer que le gamin nous ouvre. Hein. Attention, bras. Merde. Faites vite. Ah! Aïe! Oh ouais, j'étais trop dépourvu. C'est pas vrai. Hop. Ok, on se la joue quoi, Street Fighter? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, hop! Hop! Ah, si c'est que des patates! Voilà! J'ai peur de ouf! J'ai peur de ouf. Et dire que je faisais confiance à Descar. Vous m'aidez? Non, c'est des salopes. Descar. C'est pas vrai. Ok, ça va, il y a des balles de cochon. Wouh! Wouh! Hop! C'est bon, réflexe! Wouh! Ok! Wouh! 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 Et ça va, les gars! Jamais y arriver. C'est pas vrai. Oh non, bras, viens. Ils sont trop nombreux, tu dis. Sortez.
Attendez. J'ai besoin d'une minute. Accroche-toi bien, moi. Ok. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Et on se retrouve demain pour la suite de notre aventure dans l'épisode 31. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Inspire.